Donc coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc c'est dans un nouveau décor. Donc je suis chez Meryl, parce que je suis venue, elle habite pas loin de chez moi, donc je suis venue récupérer mon lot concours que j'ai gagné sur sa chaîne. Donc elle me l'a emballé dans un papier cadeau et elle a marqué Mini Beauty. Donc j'ai gagné un des lots, mais je sais plus ce que j'ai gagné. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ce lot concours. Donc avec un joli papier cadeau avec des petites fleurs. Donc elle m'a mis ça dans une glossy box, comme ceci. Donc les glossy box roses. Donc je pense que je recyclerai la boîte, hein, comme très souvent. Donc je la remercie déjà de m'avoir accueillie chez elle. Donc pour faire le déballage du colis et puis bah, qu'on se rencontre encore une fois. Hop. On va voir ça. Hop. Donc il y a une petite carte Fanny Mini Beauty. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc elle m'a fait ça un peu comme une glossy box et ça sent super bon. Donc on va ouvrir le petit nœud. Le petit... Je vais la poser à côté et on va découvrir ensemble. Donc en premier temps, de Oriflamme, j'ai eu une pierre ponce. Donc comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Ça sera plus simple pour que vous voyez. Donc c'est une petite brosse pierre ponce comme ceci, donc en forme de fleur. Et en dessous, vous avez les petites brossettes. Donc je connais pas, donc je testerai, merci. Ensuite, elle m'a mis un highlighter de Tania Burr. C'est un highlighter en liquide, donc comme ceci. Comme ceci, hop. J'espère que vous le verrez bien. Il est super joli aussi. Donc, à tester. Puis, bah, je vous enverrai des nouvelles ou je vous ferai peut-être un crash test avec ces produits. Ensuite, de Mesoda, on trouve un blush. Donc, c'est le Diamant Blush de Mesoda Milano. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et le blush se présente comme ceci. Il est super beau. Donc, peut-être je testerai dans une vidéo si on va faire un make-up complet. Ensuite, je découvre un highlighter de Urili. Donc, bronzer en même temps. C'est un duo highlighting powder. Donc, comme ceci. Je vais vous le montrer. Donc vous avez l'highlighter et ici vous avez le bronzer. Il est super beau. Donc à tester aussi. J'ai mis mon doigt dans l'highlighter. Je vais vous le swatcher. Hop. Il est comme ceci. Il est super beau. Donc à tester. Ensuite, on y trouve une toute petite pince à épiler grise, bah, argentée, donc en toute fine, donc super. Ensuite, j'y trouve un lip balm Blackberry Coulis, donc de chez Tania Bird en 8 grammes. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà pas mal de baume à lèvres et elle vous l'avait montré, je crois, dans sa vidéo Nose. Si vous voulez aller la voir sur sa chaîne, donc voilà. Ensuite, de Tania Bird, j'ai un lip gloss mat, c'est le Rhubarb et Custard de Tania Bird, comme ceci. Il est super beau aussi, donc à tester. Ensuite, on y trouve un pinceau de Oriflamme. Donc, c'est un pinceau pour flouter, hop, qui se présente comme ceci.
C'est pour flouter. Hein. Mais il est super beau. Ou même pour mettre l'highlighter, ça peut être parfait aussi. Un pinceau, ça s'utilise de plusieurs façons. Chacun l'utilise à sa façon. Ensuite, j'ai une palette Tanya Bird. Donc, c'est la Midnight Smolder. Donc, comme ceci. Et la palette, donc vous avez le miroir en cœur. Et elle se présente comme ceci. Donc, il y a un bleu, un beige, un noir et un violet. Donc, voilà pour cette petite palette-là. Et la dernière petite chose, c'est une palette My Escape de chez Tanya Bird aussi. Et vous avez toujours le miroir. Et là, vous avez des teintes un peu plus pailletées. Donc, vous avez un beige, un marron. Tire un peu vers le cuivré, un marron plus foncé et un marron très très clair. Vous pouvez même vous faire les sourcils avec, ça peut être une bonne idée. Et elle m'a mis aussi tous les petits, hein. On dirait rien, tous les petits copeaux. Je suis chez elle, donc c'est pas grave. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien quelque part vers ici, à activer aussi la petite cloche pour me suivre, à mettre un petit like. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!